Bonjour Ruben. Bonjour. Tu es actuellement président et coach des Yankees d'Angers. Oui. Peux-tu nous dire comment t'es venue l'idée de pratiquer le football américain ? Oula, ça m'est venu parce que je cherchais un sport à la fin de mes études, en fait. Donc c'était en 2003, par là. Et du coup, je cherchais un sport différent. Je voulais pas faire du soccer, je voulais pas faire du rugby. Voilà, j'aimais bien le foot américain, je connaissais un peu, mais pas plus que ça. Tu faisais du sport avant déjà ? Pendant les études, pas trop. J'ai fait du judo, j'ai fait de la plongée, j'ai fait du football un petit peu. Et donc, après, voilà, je cherchais un sport parce que j'avais besoin de faire du sport. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait un club de football américain sur Angers. Et puis, j'y suis allé. Comment t'as découvert ça ? Alors, cette année-là, ils avaient fait une publicité dans des journaux d'annonces. Ah, c'était il y a longtemps, on faisait ça. Il y avait un petit encart publicitaire. Dans un journal d'annonce, voilà. Et j'avais découvert ça par hasard complètement. Et du coup, pour la petite anecdote, ils pensaient que ça leur avait ramené personne et ils ont découvert un peu plus tard qu'en fait, si ça leur ramenait quelqu'un, moi. Voilà. Toi, donc, voilà. Mais voilà, c'est vraiment par hasard, mais comme beaucoup à l'époque ont découvert le club par hasard. Encore maintenant, ouais. beaucoup de gens qui découvrent par hasard. Alors qu'ils communiquent quand même pas mal. Tu es rentré dans le club et tu es devenu coach comment ? Alors je suis devenu coach très tard en fait, je suis devenu coach quand j'ai arrêté de jouer. Donc tant que j'ai été joueur, j'ai assez peu coaché, ça m'est arrivé de participer à l'encadrement d'un drill, ce genre de choses, mais je suis vraiment devenu coach après ma carrière de joueur. Voilà. Et on déroule jusqu'au 9. Allez, on respire bien. Le gainage, c'est de la respiration. Je suis CA2, il y a 3 niveaux de CA qui sont des niveaux d'encadrement. Ils ont refait les diplômes de formation récemment. Et après, on passe sur des formations professionnalisantes, donc CQP, BE. Et pour l'instant, je suis CA2, je vais passer mon CA3 cette année. Alors président, j'ai toujours fait partie de la... Enfin j'ai fait de l'associatif pendant toutes mes études. Donc j'ai découvert l'associatif pendant mes études en fait, asso étudiante. Et du coup quand je suis arrivé dans le club, assez rapidement c'est devenu une... Non, pas une obligation, mais une envie quoi, de participer à la vie du club. Donc j'ai rejoint le bureau en... Je pense que ça devait être ma deuxième ou troisième année. J'étais secrétaire pendant 2 ans. D'accord. Et après, je suis passé président. Et je suis président depuis. Donc ça fait... c'est ma 10e année de mandat de président. 15 secondes de burpees. 15 secondes comme ça. Vous vous arrêtez pas. C'est 15 secondes. Ça m'a apporté... Ça m'a apporté plein de choses, le fait de s'investir dans une association, de la développer. Mais autant la pratique sportive est plus une pratique personnelle, j'ai envie de dire, ou même si on fait un sport d'équipe, on le fait un petit peu pour soi, on le fait... autant le fait d'être président dans une association, c'est plus donner en fait aux gens. Permettre aux gens de faire du sport, on ne peut pas avoir d'association sans bénévoles. Et donc le fait d'être président, ça permet de développer le club, la pratique du sport au Saint-Angers. Et donc c'est plus donner aux gens. Moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois, si je suis bénévole et si je suis président, c'est pour permettre aux gens de faire quelque chose. Et coach aussi, c'est quand même donner aussi beaucoup. Ouais, alors coach c'est un peu différent, c'est... Moi j'ai arrêté d'être joueur suite à une blessure. Donc c'était pouvoir rester au sein de l'équipe et puis pouvoir transmettre, permettre aux autres de pratiquer, c'est sûr. Mais c'était aussi rester en contact avec le sport, quoi. Je pense que le passage de coach était un petit peu égoïste de ma part. J'avais envie de continuer, mais je pouvais plus continuer en tant que joueur. Donc l'autre option, c'était coach ou arbitre, et je préférais faire coach. Il faut quand même avoir la patience, puis aimer aider les autres, quand même. La patience, ouais, il faut de la patience, ouais. Mais
je pense que pour être coach, il faut vraiment aimer le sport et ouais, tout le monde peut pas le faire. Tout le monde peut pas le faire comme ça. Faut une certaine, faut avoir envie de transmettre ce qu'on connaît et faut, ça demande énormément de temps. C'est une passion. Ouais, c'est une passion. Ouais. Le coaching, c'est une passion. Autant la présidence, c'est peut-être moins une passion. Je pense pas qu'on puisse faire ce coach si on n'est pas passionné. Ouais, je pense pas. Faut vraiment, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'implication et donc voilà. Arrêtez de tchatcher. Au revoir. C'est bon, monsieur. Tout le monde le fait bien après. Monsieur. Donc normalement là, normalement là, ça va brûler devant là, derrière et les mollets. C'est normal. Si vous vous faites 15 secondes de canard, vous vous levez, vous faites. J'ai pas eu mal. C'est que vous l'avez mal fait. 5 secondes. Ouais, alors c'est un sport d'équipe, donc coacher une équipe, c'est très spécial. C'est différent que de coacher un individuel. Le football américain a ça de spécial en plus, c'est que c'est des grosses équipes. Il y a beaucoup de positions, il y a beaucoup de technicité par position, c'est assez compliqué d'être exhaustif au niveau de la technicité. On peut pas vraiment l'être d'ailleurs. Et coacher une équipe de football américain, ça demande d'être assez patient et sur plein de choses. Maintenant, tu parlais de déception. Enfin, j'ai pas de déception vis-à-vis de l'équipe en fait. Une défaite d'équipe, c'est la défaite des joueurs, mais c'est aussi la défaite du coach. Donc, il n'y a pas que l'équipe qui peut échouer, comme il n'y a pas que l'équipe qui gagne. Il n'y a pas que les joueurs sur le terrain. C'est un ensemble. En tout cas, moi, je le conçois comme ça. Donc après. Y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Il y a des fois, malgré tout ce qu'on fait, on n'arrive pas on n'arrive pas à gagner. Parce que c'est comme ça. C'est peut-être plus difficile qu'une équipe professionnelle finalement, parce qu'ils sont pas tous impliqués. Donc. Alors moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est un milieu, enfin on est une équipe d'amateurs qui avec des contraintes de semi-professionnels. Maintenant, il faut faire avec. Effectivement, les gens ont leur implication, mais faut aussi comprendre que pour beaucoup de personnes, c'est un loisir. Ils peuvent pas mettre des. Ils peuvent pas forcément s'appliquer des contraintes de semi-pro à leur pratique de sport loisir. Donc finalement, pour le coach, c'est plus difficile finalement. Ouais, ça peut être frustrant des fois. Ça peut être frustrant des fois de pas réussir à avoir l'implication nécessaire. Mais avec le temps, on finit par accepter la contrainte. De toute façon, on n'a pas le choix et on fait les choses, on fait en sorte. Et c'est important aussi de leur faire comprendre que leur implication est nécessaire. C'est aussi le coaching. Hein. Le coaching, c'est pas juste du sportif. C'est aussi de l'encadrement de groupe, du psychologique, du management. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le coaching. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Donc récemment, vous êtes allé aux États-Unis. Ouais. Donc ça devait être une aventure passionnante ouais. À renouveler. Alors à renouveler, ouais, certainement pas sur ce format-là. Je pense que c'était un format prise de contact là-bas, quoi. Mmh. Donc là, si on repart, et je pense qu'on repartira, ce sera plus vraiment orienté football, suivre un, sans doute pour les coachs. Prochain, vraiment, suivre un cycle d'entraînement, par exemple sur une semaine, avec on voit un match, et puis on suit tout en shadow coaching, c'est-à-dire derrière les coachs, pas intervenir, mais derrière, écouter, à voir comment les gens font, et voir comment ils travaillent leur semaine pour arriver au match suivant en corrigeant ce qui n'a pas été. Ça, je pense que ça pourrait être très formateur. L'objectif est vraiment, via le jumelage à Austin, de créer des relations avec des coachs aux États-Unis et nous apporter le maximum de choses. C'est vrai que sur le futur, on aimerait bien pouvoir essayer d'organiser des camps en faisant venir par exemple des coachs américains ou pourquoi pas envoyer aussi des joueurs de chez nous là-bas. Ça pourrait être intéressant. Mais ça sera sans doute plus tard parce que c'est assez compliqué à mettre en place.
Le but, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment de développer le partenariat avec des structures à Austin, mais dans le cadre coaching, pour nous aider et apporter sportivement. On est tout le temps en évolution, en essayant de progresser, donc que ce soit les joueurs sur le terrain, mais les coachs aussi, on est obligé de progresser. Donc il faut aller chercher les compétences là où elles sont, et au niveau football américain, bah, elles sont là-bas. Est-ce que tu as des petites anecdotes, des trucs sympas lors des matchs ou... Ah bah j'en ai pas mal, ouais, des anecdotes de matchs en tant que coach comme en tant que... Des surprises. En tant que joueur. Il y a toujours des phénomènes de surprise, des gens qui font des erreurs, et souvent des joueurs expérimentés qui font des erreurs de débutants. Ça, c'est toujours des choses qui sont assez... marrantes parce qu'elles sont complètement... On se retrouve complètement désarçonné face à quelqu'un qui a des années d'expérience et qui va faire une bêtise de débutant. Le sport en lui-même est assez simple, mais les détails de règles sont assez complexes. Et on se rend compte que la majorité des joueurs, même ceux qui ont joué très longtemps, ne connaissent pas les règles. En plus, nous, on joue avec les règles universitaires et pas les règles NFL. Or, la majorité des joueurs regardent surtout de la NFL et pas de l'universitaire. Et il y a vraiment des choses qui changent et qui sont très, très différentes. Et on a énormément de joueurs. Je suis sûr qu'aujourd'hui, dans l'effectif que je peux poser des questions à des joueurs et ils ne sauront pas, quoi. On a des joueurs qui ne regardent pas le match. Enfin, je sais pas. Ça m'a toujours surpris, moi, des joueurs qui viennent. J'ai commencé le foot, je connaissais le football américain. Je ne connaissais pas en détail, mais je connaissais, quoi. On a des joueurs qui arrivent qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Donc il y a des joueurs, ils viennent parce qu'ils ont vu, trois images puis avec les médias internet. C'est très facile de voir des images de football américain, donc ils se disent ça doit être sympa, et ils apprennent parce qu'on fait de la com qu'il y a un club sur Angers, donc ils viennent, mais ça se voit, il y en a, ils n'ont aucune connaissance de football américain. C'est quelque chose à ajouter ou... Des personnes à remercier ou... Bah oui, je remercie tous ceux qui m'ont permis de découvrir ce sport, de le pratiquer, et puis voilà, après faut venir essayer, faut pas avoir peur, et puis voilà, c'est bien le foot américain.